Rappelez-vous ce remède naturel, à utiliser dans le cas où vous avez un rhume, la grippe, les crampes, le diabète et le cancer. Gingembre, miel et cannelle, un mélange miraculeux qui traite l'inflammation, les rhumes, la grippe, les crampes, le diabète et le cancer. Quand nous sommes malades, nous nous tournons le plus souvent aux tisanes pour soulager les symptômes. Le thé vert est l'un des choix préférés, mais il est préférable de choisir un remède à base de plantes. La recette suivante, une puissance naturelle magique qui traite vos symptômes du rhume, les différentes inflammations, les crampes musculaires et même certains types de cancers, et de résoudre le problème rapidement et efficacement. Il contient des ingrédients naturels qui sont sans doute toujours disponibles chez vous. Voici comment la préparer. Ingrédients. Un morceau de racine de gingembre. Deux cuillères à soupe de jus de citron fraîchement pressé. Un bâton de cannelle de Ceylan. Une cuillère à café de miel pur. ⅕ tasse d'eau filtrée. Préparation. Commencez à chauffer un peu d'eau dans une casserole à feu moyen. Coupez le gingembre et l'ajoutez à l'eau une fois qu'elle commence à bouillir, puis laissez mijoter. Trempez pendant 5 minutes. Après, l'égoutter et le déplacer à un bol, puis ajouter le miel et le jus de citron, mélangez bien et voilà la recette. Voici les avantages pour la santé de ce thé de guérison. Antidiabétique. Juste un seul gramme de cannelle par jour permettra de réduire votre taux de glycémie et le taux de cholestérol chez les patients diabétiques de type 2. Cannelle peut également traiter et prévenir les maladies telles que les maladies cardiaques, la perte de vision, les maladies rénales, des engourdissements et des accidents vasculaires cérébraux. Combat la grippe. Le gingembre contient des propriétés antibactériennes et antivirales efficaces contre le rhume et la grippe. Il peut réduire l'inflammation des poumons et soulager les douleurs musculaires. Manteau de miel à gorge et réduit la douleur qui accompagne la toux. Soulage les douleurs menstruelles. Le gingembre a la capacité de soulager les crampes menstruelles en inhibant la synthèse des prostaglandines et thromboxanes pro-inflammatoires, les principales causes des douleurs menstruelles. Il peut également réduire la perte de sang chez les femmes souffrant de saignements menstruels abondants. Apaise les nausées. Le gingembre peut soulager les migraines, les nausées et les vomissements. Il est excellent et très efficace pour traiter le mal des transports chez les enfants et peut prévenir les nausées et les vomissements associés à la chimiothérapie. Le gingembre peut également soulager et prévenir les ballonnements. Traite l'arthrite. «
Selon une étude menée à l'université de Miami, le gingembre constitue un substitut pour les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'étude a inclus 247 sujets souffrant d'arthrose du genou. Le gingembre a contribué à réduire la douleur et la raideur dans le genou du 40. Lutte contre le cancer. Le gingembre tue les cellules cancéreuses soit en induisant l'apoptose, mort cellulaire programmée, ou autophagie, la dégradation partielle du cytoplasme de la cellule en utilisant ses propres lysosomes. Il y a des études en cours pour déterminer le potentiel de gingembre dans le traitement du cancer de l'ovaire.